Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Alien Isolation. Donc dans l'épisode précédent j'avais réussi à enlever ce machin là, en alimentant le courant et en désinguant Monsieur le Lambda, d'ailleurs j'ai récupéré ses affaires et on devait aller là-dedans. Alors pour l'instant on est inquiet dans le secteur, on sait pas trop ce qu'il faut faire. Il y a quelque chose qui va pas au réacteur. Faut qu'on y aille. Le problème c'est qu'on a plus nos armes donc c'est un peu relou. Encore si j'avais des chars de taser. Ça irait. Ça sent le deuxième alien ça. Ça sent le deuxième alien. On peut dire ce qu'on veut, mais ça sent le deuxième alien. Là, ça, c'est de là d'où je viens. Hop, je vais débloquer ça. Voilà, ça a un accès ici déjà. Ça, c'est bien. Hop, moi je sauvegarde dès que je peux maintenant. Parce que les lambdas, certes, ils sont lents, certes, mais c'est des horreurs. Oh, mais vous êtes sérieux, il y en a partout. Il verrouille le secteur. Il faut aller par là, de toute façon, il n'y a pas le choix. Bon, j'aimerais bien. On ramasse des munitions, c'est. Ouais, c'est sympa, mais si on n'a pas l'arme qui va avec. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Il m'a repéré, j'ai entendu. Y'a personne, va-t'en. Non. En plus de mes nombreuses tâches, maintenant il faut que je débusque un intrus. Et alors? Tant que tu le débusques pas, l'intrus. Tu peux pas partir. Allez, casse-toi! Je peux rien faire, toi qui est. C'est fatigant. Veuillez sortir. Les protocoles de Sixon sont délai. Ça peut faire mal, ça. Pistolet à clou. Utilitaire direct, hein, j'ai pas le temps. Attendez, 68-32. Ça, je vais le noter parce que... Les codes, ça peut servir. Ça peut servir. Un petit bout de papier, ça serait sympatoche. Là. Heureusement que les imprimantes, ça existe. Alors, 68-32, on a dit. Ok. Ok. Des clous par contre pour ça.
Je peux en fabriquer ? C'est le one shot ! Un peu de musique. Je viens de là, c'est pareil, faut que j'aille. Ouais, je sais pas ce qui se passe dans le secteur, mais... Je suis méfiant. Vers le réacteur central. Et on a que... T'es déjà allé au réacteur ? Jamais fait. J'ai fait une formation dans un réacteur, mais c'était dans une autre vie. J'ai 4 clous. Pour me défendre. Bon, c'est verrouillé, il viendra pas emmerder. J'ai plein de munitions de pistolet, mais j'aimerais bien avoir un gun, quoi. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Putain, ça fait du bien. Oh, je suis plus à poil. Oh la vache. Alors. Bon, faut monter, on a pas le choix. Hein. Ça y est, j'ai récupéré les trucs. Il n'y a plus le lance-flamme par contre. Et si on croise des aliens, ben ça serait bien d'en avoir un lance-flamme. De toute façon, j'avais plus de munitions donc. J'avais tout cramé sur les lambda. C'est bien la salle qu'on avait vue depuis la grande truc à côté. Alors on était là-dedans. Je suis au sommet du noyau du réacteur. T'as vu quelque chose ? Rien. Il y a des androïdes, des systèmes de contrôle centraux, leur routine habituelle. Va falloir que j'explore l'étage inférieur. Il devrait y avoir un ascenseur dans le coin. Allez, je vais d'abord y aller au pistolet à coup. Je vais buter ce lambda. J'ai chopé un clou, mais je sais pas comment. C'est cool ce truc, mais bon c'est lent. Bon les arcs électriques là je suis pas sûr que ce soit normal. Bon, ça c'est verrouillé. Ça c'est la soie pour monter. Moi je dois aller au centre, ça. Tout à fait. C'est la clou ? Non, mais c'est énorme. A mon avis, moi, les éclairs, je trouve que c'est pas normal. Ben, je sais pas vous, mais...
Alors, maintenance du réacteur. Putain, moi j'en ai fait un aussi réacteur dans Minecraft. Allez, où est-ce qu'on va comme ça? Au moins, je me sens plus à poil, ça va beaucoup mieux là. Oh non! Oh, c'est pas vrai! Et si jackpot! J'avais vu juste! On a de l'alien! On a de l'alien! Oh putain de f... Merde! J'avais vu juste! Ricardo, ils sont tous ici. Qui? Tous les gens qui ont disparu. Tout le monde. Ils sont coincés dans une sorte de nid. Il y a des œufs, c'est comme une ferme. Merde. Fiche le camp de là. Maintenant. Colonie sans décoller. Faut que je remue le courant de la plateforme depuis ses conduits. Je l'avais dit! Je l'avais dit! Il y avait pas qu'un! Voilà, ils ont ramené des œufs! Alors, je fasse gaffe, je marche et tout. Oh, ça va être horrible parce que le fait de marcher, même de marcher. Accroupi, on fait moins de bruit. Il y a des cachettes partout, ouais, c'est pas pour rien. Oh, ça craint. J'espère qu'il n'y a pas des œufs et qu'il va falloir que je me batte contre les œufs. Oh, merde. Là, ça doit être ça, je suppose. J'ai pas eu de transformant d'alien. Si j'arrive à un point de sauvegarde, je me laisserai capturer par cette chose. Pour voir ce que ça fait. Là, il y a un œuf qui n'a pas été éclos. Je m'en approche même pas. Activer le conduit alpha. J'en ai conduit. Silence radio, Ricardo. C'est pas bon du tout. Oh, fuck it. Oh, la merde. Oh là là, il y en a partout! Il faut que j'aille où? Il faut que je retourne à la zone centrale où j'étais et que je passe par là. Ok. Ouais, en gros, caché, je pense pas que ce soit vraiment utile. Un, ça va. Une centaine, non. Oh putain, on va crever en boucle. Y'a personne, parce que sinon il aurait marqué une nuit prochaine. Mais un, c'est déjà dangereux. C'est des gens. C'est vraiment penser au Wales, ça sert à rien de faire.
j'y vais même pas. Bon, ceci pas du détecteur parce que dans tous les cas, je peux rien faire. Le détecteur est inopérant ici. Et puis je vais me faire capter. Parce que s'il est juste à côté, il m'entend. Carburant. Franchement, sans le lance-flamme. Fassugger, bonjour. J'ai pris le bon chemin. Je la tourne max en permanence. Merde, c'est une zone indépendante. J'ai cramé du carburant pour rien. La faute de suis au 5.1. Il n'y a pas de solution. Là, on peut monter. Ça doit être par là. Mais il y a un nœud pas éclos. Derrière moi. J'ai pas le choix. Ah, oh, salope. Je vais avertir les autres. Pas de courant. Fuck! Rétablir le courant, mais par où? C'est pas ça? Non mais ouais, j'ai rétabli le courant, comment?
Ok, faut... Oh, il y en a deux. C'est bon. Bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode. C'est vachement tendu, mais c'est un truc de taré. On est dans le nid des bébêtes. C'est... Ah putain, je comprends pourquoi Apollo voulait pas déverrouiller. C'est qu'il y a carrément un nid, donc c'est bien ce que tu disais, il a dû avoir un autre œuf. Quelqu'un s'est fait choper. L'alien qui est vu qu'il était tout seul, s'est transformé en reine. Il a fait d'autres œufs, il a fait d'autres aliens, et c'est parti pour un tour. À mon avis, ça doit être ça. Donc, une vraie horreur, c'est génial. J'espère qu'on va pas crever, ça serait bien que j'arrive à faire un perfect dans les autres casques, oui, comme ça serait pas mal. Enfin bref, sur ce, moi je vous souhaite à tous une excellente journée de soirée, ça dépend encore de cette vidéo, bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine pour aller en isolation. Portez-vous bien.